Mais qu'est-ce que tu fais par terre, chérie? Tu fais le ménage? Non, non, j'écoute le tube de l'été. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me chantes? Non, figure-toi que je viens d'apprendre qu'il y a des tubes enterrés qui peuvent communiquer avec la surface. C'est un truc de dingue, non? Bon, faut vraiment que j'aille vérifier cette histoire de tube, moi ça m'intrigue. Ok? Je reviens. Alors voilà, je suis à Bron dans le Rhône sur un chantier d'installation d'un réseau de gaz. Eh bien figurez-vous qu'ici, les tuyaux sont équipés de puces. Alors un tuyau équipé de puces, c'est sympa me direz-vous, mais à quoi ça sert? C'est Philippe Grimaldi qui pilote ces expérimentations, qui va m'en dire plus sur le sujet et à vous par la même occasion. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 190 000 km de réseau enfoui sous la terre. Pour garantir la sécurité de tous, nous avons besoin de connaître l'emplacement exact de tous ces tubes. Les puces nous permettent de localiser très précisément l'emplacement de chacun des tubes. Ces puces, c'est en quelque sorte la carte d'identité du tuyau. Y sont consignées les informations sur la nature du gaz, la taille du tube, la date de pose, l'entreprise qui l'a réalisé. Les puces sont dans ces boîtiers que l'on clipse sur le tube, ensuite on remblaye et hop. Oh, je vous vois venir, vous allez me dire la technologie RFID, c'est pas nouveau. Non, je sais, mais ce qui est nouveau, c'est que maintenant, elle fonctionne sous terre. La technique RFID, on la connaît pour les passes Navigo, pour le ski, quand on passe les portiques. Par contre, la technique RFID, on ne la connaissait pas pour tout ce qui était application enterrée. Ça va permettre la détection d'une canalisation, d'un raccord, de tout type de pièces de réseau enterré jusqu'à 1,5 m avec une précision tout à fait inégalée. Révolutionnaire, je vous avais dit. Il suffit ensuite d'utiliser un détecteur de radiofréquence pour détecter la puce et lire les infos. Et là, qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez que c'est un tube en polyéthylène de 125 mm de diamètre. Il a été installé en juillet 2013. Dans quelle mesure on peut parler d'un réseau intelligent? Intelligent, c'est dans le sens où on peut communiquer avec lui. Vous avez vu qu'on sait maintenant où il est et on peut aussi échanger les informations avec lui et mettre par exemple une nouvelle information. On prépare nos réseaux communicants et intelligents de demain. En résumé, grâce à ces tubes communicants, on améliore la géolocalisation du réseau de gaz, on gagne en fiabilité, en efficacité, en sécurité et en confort. Et tout ça grâce à une technologie made in France qu'on a déjà commencé à exporter. Ouf! Alors? Bah alors c'est incroyable, j'ai enfin compris pourquoi on pouvait être fier de refiler nos puces. Non mais ces tuyaux qui communiquent avec la surface, c'est fou!